chef de Volta, pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est Thomas Sankara, président du Burkina Faso. Sans doute le président et le chef d'État le plus surprenant de la planète. Ce n'est pas facile de s'attaquer à de tels préjugés, à de telles conceptions. Regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. Peu d'argent en Burkina Faso, mais des idées. Quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie. On le laisse lui, le garçon. Les mauvais maris, les paresseux. Comme Sankara, on avait assez d'attendre l'aide des autres, eh bien, il avait décidé de se servir. Et un des épisodes les plus rocambolesques avait été quelques semaines après la tentative par Sankara de voler carrément un Boeing 727 à la Libye. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Il est trop tard. Pourquoi? Parce qu'on a déjà décidé de le liquider? Certainement. Et pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, mais c'est Thomas Sankara qui va être rectifié. Oui.